Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 25 mai 2021. Quel plaisir ce matin d'avoir cette couleur vert de partout sur la map avec un Bitcoin de retour à 39 000 $. Une BTC dominance qui rechute très légèrement sous les 45%. Et ça s'explique parce que voilà, les alts font des belles perfs. Ethereum 2 600 $ plus 22%. On a Matic qui a fait un énorme pump. 1,82$ plus 35%, Link qui est aussi dans le vert. Enfin, bref, la totalité des altcoins sont dans le vert, enfin la quasi-totalité. C'est dû en partie, voilà, parce que d'un point de vue de l'analyse technique, il nous fallait un rebond, comme je vous l'ai dit. Et aussi, on a eu quelques bonnes news, notamment le retour de Elon Musk qui a retweeté positivement au sujet du Bitcoin. Toujours juste avant de débuter la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour tous les nouveaux. Ça permet voilà, de soutenir la chaîne et de la faire grandir. On est bientôt 15 000, c'est vraiment énorme. Un grand merci à tous. Pour les nouveaux aussi, je suis aussi présent sur Twitter, Instagram et un Discord. Le Crypto Fear and Greed qui remonte sur le niveau 22, donc voilà, on sort de cette zone d'extrême peur, on commence à se calmer un petit peu et reprendre petit à petit confiance. Comme je vous disais, voilà, ça va prendre du temps pour que le marché revienne, en tout cas dans cette zone d'extrême euphorie, ça c'est clair et net. Et encore, si on venait vraiment à faire un gros pump sur le Bitcoin, je pense que ça pourrait très très vite repartir et repasser en mode FOMO. Mais bon, en tout cas, ce n'est pas le cas pour le moment. On se remet tranquillement du crash qu'on a connu. Voilà, c'est assez traumatisant. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc le marché ne va pas repartir directement. Mais petit à petit, voilà, on remonte, on sort de cette zone d'extrême peur. Et je pense que ça va aller en s'améliorant. Voilà, si on ne rentre pas dans un bear market assez long sur le Bitcoin. Allez, je vais vous partager ce scénario assez optimiste sur l'avenir du Bitcoin, puisqu'il envisage un Bitcoin à 200 000 $ en 2022. C'est un scénario qui a été partagé par Slashcoin, il me semble, et CryptoFuture l'a repris en rentrant un peu plus en détail. Mais moi, je le trouve très pertinent. Après, voilà, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on est dans un bear market. Voilà, c'est sûr, c'est certain, le top est à 65 000 $. Peut-être que ça va vous convaincre et ça va vous permettre de peut-être changer un petit peu votre plan. Donc regardez ce qu'il dit. Donc en 2011, on a eu un top à 32 $. En 2015, un bottom à 159 $. Donc ça fait une hausse de 388%. En reprenant le top de 2013, donc il y a 1000 et quelques dollars, et le bottom du prochain cycle haussier qui a été à 3254 $, on a une hausse de 196%. Donc ça fait divisé par 2. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a divisé par 2 196, donc pour avoir la prochaine hausse du prochain cycle haussier, donc 98% ça nous donne. Donc il prend le top de 2017, qui est à 20K à peu près, il rajoute les 98% et ça nous fait un bottom du prochain bear market, donc du cycle qu'on est en train de faire ici, à 40K. Donc le plus bas qu'on va avoir après avoir touché le top de ce bull run, ça sera 40K. Donc ça déjà c'est un premier point très intéressant. Et ensuite voilà, en mettant les cercles de Fibonacci, ça coïncide pile poil avec les 200 000 $ dont je vous ai parlé au tout début là, que Slashcoin avait trouvé aussi. Et donc ça correspond aussi à une baisse de 82% qui tombe pile sur les 40 000 $. Donc voilà, tout coïncide parfaitement. Évidemment, voilà, c'est une prédiction comme une autre, à vous d'y croire ou non. Voilà. Mais en tout cas, si ça se réalise, ça serait vraiment super beau. La journée du crack et les quelques jours qui ont suivi le crack a été tout simplement la journée où les gens ont perdu le plus d'argent sur le Bitcoin. Donc voilà, si vous n'avez pas vendu, que vous avez tenu vos positions, que vous n'avez pas paniqué, encore une fois, vous allez faire partie des gagnants. En tout cas, pour le moment, c'est ce que est en train de vous prouver le cours, puisque vous pouvez revendre plus haut que ceux qui ont vendu par exemple à 30K, à 32K, à 34K, en paniquant totalement. Là, le cours est pas loin des 40 000 $. Et y a des chances qu'il continue de monter un petit peu, je pense. Elon Musk qui revient avec un tweet positif sur le Bitcoin. Voilà, après avoir bien fait paniquer tout le monde, il est de retour. Regardez, il dit tout simplement qu'il a discuté avec des mineurs d'Amérique du Nord pour leur demander voilà, d'utiliser de l'énergie renouvelable, en tout cas de commencer le discours à ce sujet-là. Et évidemment, il conclut le tweet en disant que c'est potentiellement prometteur. Donc voilà, un retour, vous en penserez ce que vous voulez, mais moi je trouve ça assez ridicule, ça fait vraiment manipulation de marché pour le coup. Mauvaise news, on fait chuter, hop, on rachète plus bas, et ensuite on relance le cours avec des bonnes news. Voilà, ça paraît assez obvious, mais il y a des chances que ça soit le cas, je pense. En tout cas, voilà, c'est dit, maintenant, il faut faire avec. Et il a aussi rajouté quelques tweets, évidemment, sur le Dogecoin. J'ai remarqué en général, il fait un
premier gros tweet où ça englobe tout l'écosystème de la crypto-monnaie et plus précisément le Bitcoin. Et derrière, après, il enchaîne avec des petits tweets sur le Dogecoin un peu en mode troll. Notamment ici, vous voyez, une personne lui demande ce qu'il pense d'Ethereum, de Cardano, de Solana, de DOT et de IOTA. Et Elon Musk répond tout simplement, enfin, il lui demande pourquoi vous préférez le Doge. Lui répond qu'il préfère Doge parce que voilà, Doge a un chien et des mèmes et pas les autres. Donc encore une fois assez ridicule, mais bon, c'est du Elon Musk. Une news en revanche qui a l'air un peu plus sérieuse, et pour le coup, on n'est pas dans la manipulation de marché ici, enfin je pense pas, et c'est là qu'il faut réussir à faire la différence en fait entre le bruit de marché comme ce que nous fait Elon Musk, parce que fondamentalement les tweets d'Elon Musk ça change rien au Bitcoin. Par contre, ce genre de choses ça va changer vraiment le fondamental du Bitcoin, parce que là on a une grosse partie du minage qui est situé en Chine, et si le minage se fait délocaliser de la Chine, là pour le coup bah, c'est quelque chose de réel, il y a vraiment un changement. Et donc, ouais, du coup, je vous ai même pas parlé de la news. En gros, les récentes nouvelles liées au ban du mining en Chine, comme je vous ai parlé, là, tout le FUD qu'on avait venant de Chine, et ben, ça semble pour la première fois vraiment effrayer les mineurs parce qu'ils craignent des peines carcérales. Donc certains songeraient à se relocaliser. Et donc évidemment, ça, on va voir l'effet que ça pourra avoir sur le Bitcoin, voir si ça va rien changer, ou si on va avoir peut-être une baisse du hash rate. En attendant que voilà, les mineurs retrouvent un nouveau lieu pour miner. Il nous a donné quelques lieux voilà, où ça pourrait être intéressant, les pistes explorées par certains mineurs. Donc ce serait la Russie, l'Islande, le Pakistan ou le Nigeria. Mais on va suivre ça. Donc peut-être un exode du mining chinois en cours. Et je voulais conclure avec ce petit tweet que j'ai mis hier, donc qui résume un petit peu bah, toute cette période qu'on a eue avec des sentiments exacerbés sur le marché, parce que voilà, un krach c'est jamais facile à vivre. Et du coup, on a eu beaucoup de personnes en fait qui, avant le krach, étaient 100% derrière le Bitcoin, que ce soit fondamentalement ou même d'une manière spéculative, en pensant qu'il allait monter à 100 000 dollars ou plus. Et on a eu ce krach donc de moins 50%, et là, totalement retournement de veste, on passe bear. Le Bitcoin c'est de la merde, ça remontera jamais, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et là, regardez, on remonte hier et ces mêmes personnes recommencent à retourner leur veste. Donc ça, vraiment, c'est typiquement le cas des personnes qui vont perdre de l'argent sur le marché, puisqu'elles n'ont aucune conviction, elles investissent sur Bitcoin juste parce que certaines personnes sur les réseaux sociaux lui disent d'investir sur Bitcoin, juste parce que certaines personnes vont lui dire que ici, voilà, elle passe bear ou elle passe bull, et du coup, elles vont suivre, elles vont se faire un petit avis comparé. Un petit peu au sentiment de marché des réseaux sociaux, et ça c'est vraiment la pire chose à faire. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous faire vos propres convictions sur le Bitcoin, et pour ça bah, il faut se former, il faut apprendre, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Il faut aller clairement comprendre ce que c'est le Bitcoin, ce qu'il peut changer dans ce monde, et une fois que vous aurez compris tout ça, là vraiment vous aurez beaucoup plus de facilité à tenir vos positions et surtout à avoir un plan clair et précis, puisque vraiment là, si vous changez d'avis toutes les 5 minutes, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin. Comme d'habitude, on va commencer par le 4 heures et on a enfin le signal que je vous parle depuis très longtemps. Une reprise de la EMA 21 sur cette unité de temps. C'est ce qu'on a fait hier vers 10 heures à peu près. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pour le coup, regardez, on vient même faire une espèce de pullback derrière. Là, on est en train de la valider comme support un petit peu. Et on a même une espèce de V-bottom hein, finalement ici qu'on a brisé avec cette ligne de coup qui est située à 38 200 dollars à peu près. Donc ce qui serait très intéressant, ça serait de ne pas venir marquer un point bas en dessous vraiment, et de bien reprendre une tendance haussière sur le Bitcoin en 4 heures pour venir chercher voilà, prochain objectif, ce point haut, clairement les 41 600 dollars. Mais en tout cas, là vraiment, c'est bon signe et je pense qu'on va venir prolonger ce mouvement haussier, parce que voilà, c'est pas anodin. On récupère la MA 21, ça fait très longtemps qu'on l'a pas perdu. On marque une figure de retournement de tendance en plus, un V-bottom. Donc, ça fait quand même beaucoup de petits signaux qui me laissent penser qu'on va réussir à se relancer sur le 4 heures. Et si on prend une échelle un peu plus moyen terme, de toute façon,
Je pense que voilà, comme je vous l'ai dit, on va avoir un rebond, le cours ne descend jamais en ligne droite et sur le weekly, pour l'instant on a enchaîné deux grosses bougies rouges, donc forcément on va avoir une verte à un moment, donc ça sera soit, comme voilà, vous en avez forcément entendu parler, un dead cat bounce, donc c'est un rebond du chat mort, donc en gros le cours qui descend, qui n'arrive pas à récupérer ou qui récupère environ 50% de la chute, et ensuite hop, on dégringole. Je vais vous montrer ça, voilà, comme ça, on fait une espèce de scénario comme ça, et c'est un scénario qui est possible, hein, qui est jouable, mais ça, encore une fois, ça va être selon vos convictions, selon ce que vous pensez du Bitcoin. Si vous pensez qu'on rentre en bear market et que voilà, c'est terminé, le top est ici, donc là, dans ces cas-là, vous allez commencer à vendre par palier, petit à petit, voilà, vous déchargez votre position, parce qu'on ne sait pas où va être le top exact de ce mouvement. Et puis si jamais vous croyez encore au Bitcoin, et ben voilà, vous restez en position, vous holdez, et on attend la fin du cycle, parce que clairement c'est possible qu'on range pendant un petit moment dans ces niveaux de prix, entre par exemple 42 000 $, peut-être même 30 000, ou même récupérer assez rapidement les 42 000 et se réintégrer dans ce range-ci. Mais en tout cas c'est possible que voilà, on range pendant un bon petit moment pour ensuite repartir en phase haussière et aller chercher des nouveaux points hauts. C'est personnellement le scénario que je vise, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, avec le scénario notamment de Crypto Future et de Slashcoin. Pour moi c'est quelque chose de possible, puisque voilà, on a eu un ATH en 2007 à quasiment 20 000 $, là on aurait juste un petit x3, enfin vraiment pour moi ça ne coïncide pas avec tout ce qu'on connaît sur le Bitcoin d'un point de vue de ces cycles. Donc voilà, pour moi je reste bull, même si on peut avoir plusieurs mois de consolidation ou encore de baisse peut-être avant une reprise réellement haussière. Du côté d'Ethereum, c'est aussi hyper intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Là, je suis sur le daily et vous pouvez constater aussi une espèce de V-bottom finalement qu'on est en train de construire avec une ligne de coup que je mettrai ici. En tout cas, une clôture au-dessus. Vous voyez, pour l'instant, on a simplement mêché et une clôture au-dessus, ça serait vraiment bon signe pour la suite. Peut-être aussi récupérer l'AMA21, vous voyez, qui est situé ici aux alentours des 3 000 $ à peu près. Donc en plus de ça, voilà, c'est un seuil psychologique. Après, attention à ce qu'elle ne nous repousse pas, parce que je vais vous montrer sur le weekly. Donc ça rejoint un petit peu le scénario du dead cat bounce dont je viens de vous parler sur le Bitcoin. Donc un rebond aux alentours des 50% et après on chute. Et regardez où se situent les 50% aux 3 000 $. Donc on est plus très loin. Là on est en train de buter sur les 0,38. Mais si on venait jusqu'au 0,5, il va falloir vraiment surveiller cette zone qui va être clairement pivot, je pense, pour moi. Soit on repasse au-dessus et là on peut relancer très fortement la machine. Ou soit voilà, on vient buter, on tombe. Et enfin, on bute et je vais vous mettre un dessin, hop, on bute et ensuite on tombe derrière. Donc on va surveiller ça évidemment. Vous voyez que la trend aussi a été conservée sur Ethereum, mais ça c'est aussi très très intéressant. Donc pour l'instant sur Ethereum, bah, c'est pas si catastrophique que ça, mais évidemment on va suivre ça. Là, est-ce que ce serait le moment de se repositionner? Non, parce que regardez, ici on a eu une mèche, voilà, il fallait placer des ordres de vente au moment quand ça baisse, et là quand ça monte, on est censé revendre. Donc ça c'est vraiment la base, hein, vraiment vendre quand c'est vert et acheter quand c'est rouge. C'est simple, mais pourtant il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal avec ça, et c'est dommage. Donc là maintenant c'est pareil que sur le Bitcoin, hein, si vous pensez qu'on rentre en bear market, vendez petit à petit par palier jusqu'à ce niveau-ci des 3 000 $, comme ça ça vous permettra de sortir pas au pire des moments en paniquant sur cette grosse bougie rouge qu'on a eu lors du crack. Et par contre si jamais bah, vous pensez que on peut que le bull run va se poursuivre, bah, clairement un Ethereum à 3 000 $, c'est sous-coté pour la fin du bull run. Les targets sont bien plus hautes, donc voilà, vous pouvez conserver vos positions. Et on va conclure la vidéo avec la dominance du Bitcoin, le graphique de la dominance du Bitcoin. Vous voyez, la semaine dernière, on a fait une belle bougie englobante, c'est-à-dire qu'on a récupéré toute la baisse de la semaine précédente. Et ça, bah, c'est une figure de retournement aussi, de tendance. Donc le mouvement aussi, là, devrait se prolonger sur la BTC dominance. Attention à cette oblique aussi, qui pourrait nous repousser. On est quasiment venu la chercher. Donc on a des choses sur la tête. C'est possible que ça soit juste un tout petit rebond, voilà, comme ça. Et ensuite, on recommence la baisse. Mais là, pour le coup, bah, ça serait un petit peu un changement fondamental sur le marché, puisqu'on viendrait marquer à priori un nouveau point bas, enfin le plus bas qu'on ait jamais atteint sur ce graphique. Donc en dessous des 35% de dominance pour le Bitcoin. Donc là, voilà, on serait un petit peu dans l'inconnu. Voir un Bitcoin avec moins de 35% sur le marché, c'est jamais arrivé. Pour le moment, on est semblerait en train de faire un espèce de petit pullback sur cette zone des 44
100%, voilà, encore une fois, on monte pas tout droit en ligne droite, donc on va faire des vagues. Maintenant, voilà, on va voir. Personnellement, je suis plus pour une reprise haussière de la BTC dominance, donc un Bitcoin qui repasse au-dessus des 50% de dominance. Je pense que là, le Bitcoin, fondamentalement, c'est encore trop puissant, ça porte encore trop le marché, et je pense pas qu'on va assister tout de suite à un Bitcoin sous les 35% de dominance. Donc voilà, avoir du Bitcoin, c'est toujours important dans un portefeuille selon moi. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!